En fait, c'est juste que Elias, il sait pas conduire. Ça faisait combien de temps quand t'avais pas conduit? 8. Ça faisait 8 ans, il y avait pas conduit. 8 mois. 8 mois, il avait pas conduit. En gros, pour prendre un virage, genre un virage sur la route normale, tu vois, Elias, il passe en première. Moi, les virages, je les fais en 6ème, les gars. Rip l'embrayage. Frère, mais à la fin, rip toutes les govas, là. Ouais. Je crois que t'avais dit l'idée, genre en mode, on met plein de matelas et tout, plein d'oreilles dans une voiture, on fonce dans un mur. Et on voit à partir de combien de kilomètres heure on meurt. Et on voit, ouais, à partir de combien de kilomètres. On teste à 10, à 11, à 12, à 13, à 14. Et dès qu'on meurt, on sait. Bah non, parce qu'arrivé au bout d'un moment donné, là, c'est la bagnole qui sera niquée, frère. Bah on prend 100 voitures. Genre, faut commencer déjà directement à 100 km/h. Avec une Audi, avec un Q7, tu meurs pas, tu vois. Les voitures, elles tankent, mais avec un Range Rover, tu meurs pas. Frère, imagine, tu fais un accident dans une limousine. T'as fait la bagnole, elle met un coup de frein à main direct, tu fais fou. Mais 25 ans à traverser le parcours. Les gars, bientôt je dois porter des soutiens-gorge. C'est pas ce qui se passe. Je suis un homme, mais j'ai les seins qui poussent, putain, à l'aide. La gynécomastie. Oh non, attends, c'est une vraie maladie. La gynécomastie, le développement excessif des glandes mammaires chez l'homme. Arrête. En quoi consiste la chirurgie pour gynécomastie? Arrête. Il faut opérer. La véritable gynécomastie liée à un développement anormal de la glande mammaire, le développement anormal de la glande mammaire chez l'homme est identifiable par une consistance ferme à la palpation. Je sais pas, mais oui, c'est ferme. Non, j'ai peur là. Y en a qui ont ça dans le chat ou pas? Ça, il est où mon côte? Pour moi, c'est le meilleur emoji. Il fait comme Black M quand il prend une photo. Sur toutes ses photos, il lève son sourcil, wesh. On dirait qu'il a un problème. Wesh. Je crois qu'il n'y a que IRL, on voit. Je suis sûr que c'est une mise en scène, il n'y a pas de fumée. Mais si, voilà, il y en a, frère. Oh, il y en a eu un peu. Il y en a eu un peu. Je te jure, il y en a eu un peu. Vas-y, fais. Wouah. Mais what the fuck. Vous avez vu? Incroyable, incroyable, incrédible. Oh, il y a tellement eu de fumée qu'il s'est étouffé. On la tourne pour augmenter la pression au sein de la bouteille. Mets-le pas face à moi, sinon je te nique tes morts. Pourquoi? Nique ta mère, arrête, je vais te taper, je vais vraiment te taper. Arrête, bah, je vais perdre un œil, je vais te niquer tes morts. Vise bien l'écran à 4000€ de Thomas. J'ai rien putain de chouin, gosse. Ça fait un gros bruit? Ouais. Ça fait un petit boom. Pourquoi vous dites tous les pour le top 10 et force à toi, tout ce qui t'arrive est mérité, bon stream. Merci frérot, j'espère qu'on est là pour longtemps afin de vous proposer un contenu de merde le plus longtemps possible. J'ai demandé un grand tableau, c'est un aigle, il est genre comme ça. Il y a plein d'arbres autour de lui. Est-ce que j'imite bien l'aigle? Il est comme ça et il vole. Putain, mes frères! Et tu faisais quoi? Bah, je regarde de l'autre côté, moi. Un petit edit. Ah! Edit! Ah ah! Mais non, mais je suis trop con, wesh! Arrête. Oh, non, mais sérieux, mais c'est trop. Alors! Non! Et là, tu vas. Oh non! Je te tue, ma gueule, je te tue! Je te tue! Je voulais te troll, j'ai la haine! Oh! Oh, y'en a deux! T'as vu là-bas? Je crois que c'est un lama, hein. Je crois aussi? Attends. C'est quoi cette chatte? Elle est où ta meuf là? Bah, j'en ai pas donc. T'as plus de meuf en train de se faire baiser là. Oh non, mais ça casse les couilles! Je l'ai pas encore baisé qu'elle se fait déjà baiser. Mais oui, c'en est un! Mais bien sûr! Putain. J'ai dû réceptionner ceci! Le Nikon Z6, la caméra la plus chère du marché, les mecs. Cette merde coûte 3 salaires, fils de chien, va. Nikon, tu me baises. Je l'ai jamais ouverte encore, hein. Voilà, je l'ai pas ouverte, les mecs. C'est la première fois que je l'ouvre, hein. Alors, y'a quoi à l'intérieur? Ok, ça c'est l'objectif. Ça, c'est 1000€, ça, hein. Ça là. Allez, ouvre-toi, pétasse. Ok, c'est bon. Oh, il est là. C'est la cam à l'eau bouseux, hein. Ok, donc ça, c'est un écran LCD tactile. Ouh. Oh, regardez l'écran, ce qu'il fait. Genre, je peux l'ouvrir comme ça, mais je peux l'ouvrir aussi comme ça. Attends, mais c'est du jamais vu, mec, regardez. L'écran s'ouvre comme ça, mais il s'ouvre comme ça aussi. Mais il est scotché où, du coup? Il fait ça, et il fait ça aussi. Non, il est fort, très fort, Nikon, très fort.
Ok, je vois pas grand chose. Je n'ai pas à dépenser l'argent du stream en prostituée et cocaïne, les mecs. Tout passe dans l'investissement. Nous sommes des hommes d'affaires, nous investissons. J'ai commandé un frigo. En fait, c'était un frigo avec une vitre, tu vois. Et je me suis dit, putain, ça va être trop bien. Je vais mettre des lumières dedans et j'aurai un frigo lumineux, tu vois. En fait, le frigo fait de la lumière juste quand il est ouvert. Du coup, ça fait que quand je l'ouvre, il y a de la lumière, mais quand je le ferme, il n'y a plus de lumière. Comment on fait, les mecs, pour avoir un frigo lumineux? Et dernière nouvelle, les mecs. Faut que je vous raconte une petite histoire. Je me baladais dans la rue, je suis tombé face à un meuble, tu vois. Je dis, les gars, ce meuble, il faut que je le ramène dans ma chambre, je peux le customiser, tu vois. Ils m'ont dit, mais non, mais ce meuble, il est horrible, ce meuble, il a le corona, ce meuble, ne le prend pas, tu vois. J'ai dit, ok, je le prends pas, on est parti en ville. Au retour, je suis repassé devant le meuble, et je me suis dit, celui-là, il faut que je le prenne. Donc, je porte le meuble, il fait 30 kilos, je passe devant la rue des prostituées, elles me voient porter ce meuble comme un bossu, comme un charbonneur, comme un maçon, et elles me vannent, tu vois. Mais moi, je m'en fous, je regarde des gens, je ramène ce meuble chez moi. Je lave ce meuble, je répare ce meuble, je ponce ce meuble. Les gars, ce meuble est derrière moi. Moi, j'ai passé la soirée à faire un circuit LED autour de ce meuble, ici. Bon, on le voit pas trop, à cause de lui, là. Attends, mais casse-toi, toi. On le voit pas trop, mais je vous jure que maintenant, il a un flow. Oh, c'est toi, c'est toi. Si t'avais une chatte, genre. Ouais, parce que dans le cul, ça fait mal. Mais apparemment, dans la chatte, ça fait pas trop mal. Et dans la tub. T'imagines, tu mets ta tub dans une autre tub. Ça doit faire trop mal. Déjà, quand t'imagines un cure-dent qui rentre dans l'urètre là. Ah ah ah. Ça doit être la sensation la plus désagréable au monde. Cher, cher, ta grand-mère, cher. Oh, non. Fils de pute, fils de pute. Je le regardais, ouais, j'ai trop le seum. Non, Thomas, vraiment, viens, on prévoit de faire un tour en voiture et tu laisses conduire Elias. Thomas, tu vas mourir de rire. Je vais faire que Elias, il apprenne à conduire à Bichou. Parce qu'Elias, il va le perdre.